La préservation de la paix en République centrafricaine reste une priorité, aussi bien pour le chef de ce pays, le professeur Faustin Akanji Touadéra, que de la mission des Nations Unies en République centrafricaine, MINUSCA. Depuis la présence de la MINUSCA dans ce pays, justement, les bons points sont à relever. La MINUSCA, grâce à une présence sur le terrain, a permis à la Centrafrique de maintenir cette stabilité, cette sécurité. Ces efforts ont permis et ont contribué au dialogue qui est extrêmement important pour parvenir à la paix, mais également pour que le pays, les autorités mènent certaines réformes. La situation en République centrafricaine a connu ces derniers mois une évolution positive marquée par des progrès au niveau politique et sécuritaire. Il y a eu les élections qui ont permis un retour à la normalité et quotidiennement, les casques bleus, qu'ils soient civils ou militaires ou policiers, travaillent avec les autorités et les populations pour que ce pays tourne le dos aux violences, mais il faut également l'engagement de tous, l'engagement des Centrafricains. Il faut que les groupes armés cessent les hostilités, qu'ils respectent leur parole ou leur signature sur des documents. La République centrafricaine est à la croisée des chemins. Les étapes à venir sont parsemées d'embûches. Mais malgré les vicissitudes socio-historiques que le pays a traversées, la mission des Nations Unies en République centrafricaine permettra à ce pays de garder le cap pour son propre développement.